Dans une de mes vidéos, nous avons déjà parlé de l'épisode Jubilation. Et avec tous les indices donnés, nous avons deviné ce qui allait se passer. Nous savions qui allait être akumatisé, quels étaient les désirs secrets des héros, et dans cette vidéo, nous allons parler du 5e épisode, Illusion. Beaucoup d'entre vous pourraient dire que nous n'avons rien sur cet épisode, mais vous avez tort. Il y a un mois, Winnie a partagé un script du 5e épisode de la saison. Sur la photo, nous pouvons facilement voir le script de doublage et les personnages. Sur la photo, nous avons un détail choc. Le collectionneur est de retour. Le collectionneur est apparu dans le premier épisode de la 2e saison. Marinette a volé le livre de Miraculous à Adrien, ce qui a mis Gabriel dans une situation difficile où il devait prouver faussement qu'il n'était pas papillon. Ainsi, il a été akumatisé. Mais pourquoi Gabriel s'akumatiserait-il à nouveau? La réponse est simple. Mais avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et mettez la cloche pour recevoir les dernières mises à jour des nouveaux épisodes de Miraculous Ladybug. Ok, maintenant on peut commencer. Dans la bande-annonce de la saison 5, dans l'épisode Jubilation, l'anneau de l'Alliance est jeté au sol par quelqu'un et Ladybug le trouve. Pendant qu'elle la tient, il y a un message vocal. Ce message vocal pourrait appartenir au monarque, et ainsi, Ladybug pourrait penser à nouveau que le monarque utilise ses anneaux pour donner aux méchants akumatisés le pouvoir des Miraculous. Si vous allez plus loin, ces alliances ont été créées par Gabriel et les Tsurugi. Ladybug va donc suspecter Gabriel et la mère de Kagami. On ne sait pas comment, mais il est certain que Ladybug montrera à Tsurugi et Gabriel qu'elle connaît leur plan. Toujours dans le script, nous pouvons voir Gabriel et Tsurugi. Je ne pense pas que leur conversation sera simple. Ils vont essayer de trouver un moyen de couvrir leur mission et de prouver aux gens qu'ils ne sont pas les méchants. Gabriel avait déjà eu l'idée de s'akumatiser auparavant, il n'hésitera donc pas à le faire à nouveau. Il se transformera en collectionneur, mais bien sûr avec le Miraculous du renard qui donne le pouvoir de l'illusion. Mais il y a des choses qui ont attiré mon attention. Il y a deux Kwami dans le scénario, Kalki et Mulot. Gabriel pourrait-il aussi utiliser Kalki et Mulot? Avec le pouvoir de l'illusion, il peut se téléporter et se diviser en plusieurs méchants. Peut-être que les multiples méchants pourraient utiliser l'illusion pour tromper Ladybug et Chat Noir. Dans l'autre scène, il y a des rats dans les égouts. Ce n'est pas une coïncidence s'il y a beaucoup de rats qui courent en même temps. Dans le même scénario, nous pouvons voir Monsieur Ramier qui est Monsieur Pigeon comme akumatisé. Si vous vous souvenez, dans Chasseuse de Kwami, Chat Noir a conseillé à Monsieur Ramier de s'occuper des rats, et à la fin de l'épisode, il a vu un rat et l'a qualifié de mignon. Après ce script, certaines personnes ont affirmé que nous allions voir deux méchants akumatisés, Monsieur Rat et le collectionneur. Mais nous ne savons toujours pas si c'est vrai ou non. Au fait, j'ai vu une nouvelle bizarre pour vous. Dans un des magazines, un autre méchant a été révélé. Sa forme civile est Ellie, et c'est une étudiante dans l'école de l'art de Paris. Quand elle est akumatisée, elle se transforme en Invisigence. Dans la page, elle dit « Vous ne me voyez pas? Je suis Invisigence ». En regardant son nom, on peut voir que son pouvoir concerne l'invisibilité. Peut-être que son pouvoir pourrait être similaire à celui de l'insaisissable. On dirait aussi qu'elle en a vraiment assez d'être ignorée par les gens. Elle pourrait être quelqu'un comme Lila, qui veut toujours attirer l'attention. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et voilà, ma vidéo s'arrête déjà là, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de laisser vos ressentis en commentaire. C'était Roumane, et je vous fais de gros bisous, et à très bientôt!